bienvenue, on se lève. Et il n'y a plus d'aurore boréale. Ok. Bon, bah on va dormir un peu plus. C'est pas grave. Ce n'est point grave. On va refaire un petit 5 heures. Ce n'est pas grave. Donc le but de l'épisode, du dernier épisode, en fait, c'était de se réveiller quand il faisait encore un peu nuit. Ouh la vache. Quand il faisait encore un peu nuit. On va pas tarder en fait. Alors, attends, moi je veux ça. 7.5. Ah, objet humide. Ah, ok. On va pas le laisser à l'extérieur en fait. Notre sac aussi on va le prendre. Et oui à cause de la tempête. Enfin quoique. Ici il est peut-être pas protégé en fait. Le sac de couchage il prend pas l'humidité le. Mais le gilet pare-balles si. Bizarre. On va poser des choses, on va essayer de se vider un peu. Oh ça fait du bruit ici, je suis désolé. C'est grave du bruit. Je vais essayer de faire le plus vite possible et après je vais expliquer ce qu'on va faire. On risque rien de mettre les trucs ici à l'extérieur, c'est juste que... Ah, on a beaucoup d'eau. Okay, très bien. On a 51 kilos, et c'est parce qu'on a le gilet pare-balles sur nous. Et il nous faut la lampe, ok, ça marche. Let's go. Ok, alors, ce qu'on va faire, parce qu'on devait se réveiller donc quand il fait un peu nuit, et voir si on avait encore l'aurore boréale et tout ça, puis après se balader pendant qu'on a l'aurore boréale, au final, il n'y a plus d'aurore boréale. Donc du coup, on va aller autre part. Alors, aller autre part, honnêtement, je sais même pas si je peux vraiment le montrer avec la carte. Nous, on venait de là, véhicule, maintenant nous on est là, on est ici, ça c'est notre camp. Faudrait que je le marque sur la carte avec un carré. Ça c'est notre deuxième camp en gros. Bon, ici il y a une montagne, on a fait tout ce périmètre là, je pense pas avoir loupé de porte. Par contre, on a l'infirmerie qui est bloquée, toujours bloquée, ça faudrait que je vois comment là... On l'ouvre. Et après, on a l'endroit où il y a le code. La porte avec le code. Alors, il faudrait des mines. Il faut aller voir dans des mines. Alors, les mines, je sais pas où elles sont. Je me rappelle plus, en fait, sur le chemin. On en a vu, hein, mais je sais plus si elles sont en haut ou en bas. Vu qu'on a aussi une tempête à l'extérieur en ce moment, on va aller à la centrale. On va aller à la centrale et on va continuer le long de ce chemin. On avait vu des loups gris. Donc, on va devoir les combattre. Voilà. J'ai tout expliqué. C'est ce qu'on va faire. On va tout simplement combattre les loups gris. Alors, on va enlever les appâts. Honnêtement, ça sert même plus vraiment à rien d'avoir des appâts. Parce que si on se fait attraper, honnêtement, on met des flèches dans la tête. Ou alors on court, ou alors, enfin voilà quoi. Et puis en fait, les loups gris, de toute façon, les appâts, ça marche pas. Donc, voilà quoi. On va boire un petit coup. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec... Il est 27% d'humide maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec le gilet pare-balles? Ça va, calme-toi, hein, mon dieu. Ça y est, on lui a enlevé le sac pendant une seconde. La fille, elle en peut plus, quoi. Ça c'est combien? Ça c'est 0,50, pas très lourd.
Si on enlève ça, on est à 45. Ça aurait été marrant de mettre le gilet pare-balles par-dessus le manteau. Ça serait complètement con, hein, mais ça serait marrant. On peut faire ça. Là, ça serait 50% de défense en plus. Là, on est à combien? On est à 45. Je vais voir un peu l'endurance. Ouais, l'endurance, on n'a plus rien. Montant en peau d'ours, 9. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Mais j'ai peur, en fait, qu'on ait trop froid, en fait, moi. Moi, c'est ça qui me fait peur. Et on met ça là, les crampons ici aussi. Et là, on est à 44,50. Et on est protégé avec un gilet pare-balles. Vous savez quoi? On va faire de la reconnaissance en premier. Allez, on va faire de la reconnaissance comme ça. On pourrait même enlever un pantalon, j'ai envie de dire, mais bon. Le problème, c'est que s'il y a encore une tempête, si la tempête, elle s'arrête pas... Enfin, de toute façon, si la tempête s'arrête pas, on va pas rester à l'extérieur. Mais ouais. Ouais, on va pas faire ça. C'est juste parce que j'ai un peu envie de jouer avec le gilet pare-balles, même si ça sert à rien. Parce que de toute façon, on a des... Genre, c'est quoi? C'est 40% de défense? 50. On a 50% de défense, ok? En plus. Plus nos gros manteaux et tout, c'est on est à 89, je crois, un truc comme ça. C'est énorme, hein. C'est très très lourd. On est très bon. Mais le problème, c'est de tout mettre, c'est que c'est trop lourd, en fait, de tout mettre. Et après, on peut faire comme ce que je viens de faire, genre enlever des vêtements, avoir des vêtements un peu plus légers, et mettre le gilet pare-balles. Mais bon. On est allé, là. On est allé par là. On a fait chemin. Je vais regarder si on a fait vraiment tous les chemins ici. Ouais, on a fait tous les chemins. Là, c'est quoi? Ah oui, oui, là c'est où c'est que ça fait le tour. Oui, oui, on se rappelle. Donc nous, pour continuer notre chemin... Est-ce qu'on est allé tout droit? C'est ça, je me rappelle qu'on est allé là. Ouais, on est allé là, nous. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça... En gros, ça, c'est le carrefour, ok? On se marque les choses. Ça, c'est le carrefour. Donc ça, c'est pour revenir. Ça, c'est pour continuer à la centrale. Là, je sais pas si on l'a fait, en fait. Non, on l'a pas fait. Ok, du bois, c'est bien. Il y a une boîte là-bas. Après, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est se faire des nouveaux vêtements plus légers. Il n'y a rien. Ou alors trouver des vêtements légers. Pour éviter de rien avoir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, et genre, on sort ça avec un gilet pare-balles. Ça peut être sympathique. Et ça, on l'avait fouillé. Ouais. Ah, j'aime pas cette musique, elle est très forte. Pas très fan de cette musique. Ça, c'est parce qu'on est dans un bâtiment. Au fond. On va en enfer. Bon, on va se retrouver à la centrale, on va devoir combattre les loups gris sûrement. On a une série de portes devant la centrale. Je pense qu'on va utiliser ça pour se les faire. Je pense que ce serait une bonne idée. Je pense que ce serait pas mal. Ah, on a encore la tempête.
Ah, ça casse notre aventure, ça. Mais après, je me demande toujours, est-ce que c'est praticable en bas? Est-ce qu'on peut vraiment... J'ai pas l'impression que ça soit praticable, en fait. Genre, on peut pas y aller. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur? Attendez. Genre pour passer le temps, en fait. On entend moins l'eau. L'eau, on dirait qu'elle est moins forte. Ravitailleur, on n'a rien. Très bien. On peut coudre. Hein. On peut coudre pour faire passer un peu de temps. Préparer 33 minutes, 54 minutes. Oh, putain. Je veux pas utiliser le nécessaire de couture. Je veux utiliser ça à la place. Nécessaire de couture, on le prend vraiment quand on doit faire des grands vêtements, en fait. Des gros vêtements qui durent longtemps. Mais sinon, on prend le kit de pêche, quoi. Ok. Bon, il fait un peu froid, par contre. Il fait un peu froid. Voilà. Ils sont où? On peut pas sprinter, quoi. C'est vrai que c'est la merde, le gilet pare-balles, pour ça. Ah, oh, on peut peut-être les avoir, là. Là, on a récupéré la flèche. Ouais, je sais pas. J'ai pas trop envie de tirer, si on va abîmer les flèches. Je veux vraiment... Merde, voilà. Faut tirer pour tuer, en fait. On commence à avoir froid. Voilà, c'est la merde. On va se réchauffer un peu. Bon, on a tiré une flèche. Il y a une flèche à récupérer. Okay, faut s'en rappeler. Une flèche à récupérer. Parce qu'on va perdre beaucoup de vie, en fait, comme ça. Si j'arrête pas de rester à l'extérieur, c'est un peu... C'est con, quoi. C'est inutile.
que du coup la meute nous a lâché. Honnêtement, si on la trouve encore, normalement elle devrait pas être... Elle devrait pas être pleine, la meute. C'est toujours la même qui traîne, en fait. Oh. Je voudrais pas trop m'avancer, me faire voir parce que après je peux pas courir moi. Ils ont l'air d'être partis en fait. Mmh. Ok, pour le moment ça a l'air d'être ok. Mais par contre on a froid. Honnêtement c'était une connerie de prendre le gilet. C'était complètement con. On aurait dû à la limite tout garder. On aurait été au-dessus des 5... Enfin, on aurait été dans les 50 degrés... De 50 kilos, pardon. Climbing area, ouais mais non, je suis pas équipé pour. Il y a une maison là-bas. Après en théorie on est beaucoup plus protégé donc ça va quoi. Oh il y a des bois, oh il y a encore y a un truc, ok. On va aller se réchauffer, on va faire un feu. Il y a des bois à récupérer. Il fait combien exactement? 13, ça va. Ok, on a du bordel ici. C'est quoi? Vestige du cueilleur. Ok, c'est parfait. Ouh, il y a un faitout en plus. Très bien. 100%. Il n'y a pas de lumière, c'est bien. On va faire un feu, on va se réchauffer ici. On a un faitout. On a gagné un faitout. Très bien. Voilà. Hein. On est parti, on a tué un loup. On peut aller le... Mais ça va, il a marché le feu. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dois te calmer. Arrête de t'énerver tout le temps. On a tué un loup. On peut aller le cueillir. Moi, c'est quoi que je buvais pour me réchauffer? Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, très bien. 5 minutes. Il nous faut un peu plus de feu. Zéro, trop bien. Je vais devoir mettre ça aussi. Fait chier. On va boire ça. On n'a pas de champignons, rien. On n'a pas trouvé. Alors là, j'ai vu que en bas, là-bas, il y avait un bois. Je pense que c'est pour faire des flèches. Donc on va aller le prendre. Oh. On va tout fouiller ici. Très bien, on va le mettre dans la lampe. Faut qu'on dessine aussi, tiens. Ok, très bien. Il y a un établi ici, bon à savoir. Ok,
Alors on n'a pas notre équipement de... pour... Ouais non, c'était complètement con en fait de venir avec le chili ici. On devrait pas changer nos habitudes juste parce qu'on a un nouvel objet. Si c'est pas intéressant, on l'utilise pas, point barre. Mais là, là c'est complètement con là, on s'est foutu dans la merde pour rien. Parce que là on aurait pu... On aurait pu complètement grimper avec notre équipement de base. On aurait peut-être moins froid. Et on serait aussi bien protégé, honnêtement. Hein. Je sais pas. Hein, on va pas dire, mais. Parce que j'ai pas envie de grimper sans. Sans mes crampons. Sinon, on va se fatiguer trop vite. Et en théorie, on va pas rester là. On va pas dormir ici. On va retourner au feu. Ah, c'est triste, hein. On va juste le mettre au mur, le gilet pare-balles. Juste le mettre au mur en disant, regardez, on l'a trouvé. Et basta. On a 5 heures de feu, c'était vraiment pas voulu, hein. Comme ça. Je regarde si jamais il n'y a pas les autres loups là qui reviennent. Pas me dire que le vent se lève. Je peux dessiner encore ou pas? Okay, très bien. On va faire ça. Bon, on va où nous? Près dans 3 minutes. On va où nous? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on est là, là. On a fait le chemin là. Donc là, c'est la corde. Et là, on peut... On peut descendre encore. J'ai envie de rentrer. On a un temps pourri et j'ai pas mon équipement. Ça m'énerve. Bon, ok, j'ai rien dit. On va rester là, on va attendre. On a 4 heures de feu. On a rien d'autre. Allô. Allô. Le jeu. Okay. Allô le jeu. Le jeu. Le jeu veut pas. Merci Interland. Ah là. Mais t'es sérieux? On a un kit de couture. Non. Putain, il veut pas le jeu. On a un kit de couture et, et une fusée. Eh hey, mais faut tester votre jeu, hein. Faut tester vos mises à jour, hein, Interland. Hein. Je suis désolé, mais... Pfff. 35 minutes. Non, mais c'est relou. C'est relou. Le problème, c'est que ça devient de plus en plus relou. En fait, comme je dis, à chaque fois, si le jeu marche, le jeu est bien... Bien fait, c'est cool. Mais la plupart du temps, c'est dans les difficultés élevées qu'on voit, qu'on commence à voir les problèmes. Et là, je vais être honnête.
vais être honnête, mais passer à côté. Passer à côté d'un kit de couture en intrus, car le jeu merde, ça me fait chier. Ça me fait chier. Non, il n'y a pas... Ça s'affiche pas. Ça s'affiche pas. Au moins 39, ça va. Bon bah encore heureux qu'on a trouvé cet endroit. Hein. Il nous reste encore quoi, 4 heures de feu. On a encore de la nourriture. On a surtout de la de l'eau à l'infini maintenant. Avec le fait tout, c'est facile d'en faire. Je prépare encore des vêtements vite fait. Bah, tout est en très bon état. Hein. C'est ça le problème. Pardon. Ça dure méga longtemps en plus. Et on n'a pas le sac de couchage pour se mettre à l'abri si jamais on veut. On peut rien casser. Honnêtement, ça aussi je trouve ça bizarre qu'on puisse rien casser. Je trouve ça très bizarre qu'on puisse rien du tout casser. Ah non, si on a le sac de couchage, non pardon, on l'a pris avec nous. J'ai un déjà. Bah du coup, si on l'a pris avec nous... Putain, est-ce qu'on va pouvoir le placer ici quoi? Ah. Ok. On va se mettre là, à côté du feu. Dormir une heure. Ça nous permet de d'économiser en calories. De reprendre un peu de vie. Non, la vie, elle est au max, je crois. Mais c'est surtout d'économiser les calories, en fait. Très bien. Est-ce que maintenant, ça a débloqué ça? Ou je me fais... Je vais me faire voir chez Plumo. Putain de jeu. Oh là là. Ça me... Désolé, pendant tout l'épisode, je vais me plaindre. Voilà, c'est bien. Pendant tout l'épisode, je vais me plaindre. Putain, c'est cool. Je voudrais me balader un peu plus. Donc, avant de partir... Ah merde, l'eau, elle était impropre. Fais chier. Ah, j'ai pas vu. Ok, 42 minutes. Merde. Voilà, on va dormir. Une heure, ça nous permet de nous reposer, économiser les calories comme d'hab. Okay, très bien, il commence à faire nuit. Fait chaud ou froid? Il
On va partir. On va partir. J'ai pas envie de rester là en fait. On va passer par là. Ah, on progresse lentement hein, dans l'intrus. Hein. On progresse très lentement. J'ai fait le thé en fait pour le boire. Si jamais on avait trop froid, mais au final, bon bah, ça va. Pas de loup, rien. Je suis un peu étonné qu'il y ait... On va peut-être dessiner ici. Attendez, on va quand même le boire. Ah mais merde, c'est la nuit, elle va pas vouloir aussi. Oh, ça va. Ça va, on n'a pas trop froid. Très bien. Attends, il y en a un qui a eu peur. Pourquoi ils ont peur? Tant que la barre s'affiche pas, on est bon. Pourquoi ils ont peur? C'est parce qu'on en a tué un de loup et que... Genre, on a abîmé leur barre, en fait, de rassemblement. Et maintenant ils ont peur automatiquement? Je sais pas. Mais on pourrait faire un... On pourrait faire un feu à côté. Hein. C'est des torches usagées qu'on vient de récupérer là dans le feu. Donc du coup je les utilise comme ça nous économise la lampe. Bon, qu'est-ce qu'on a? Résultat des courses. Qu'est-ce qu'on a gagné? Bon, on a gagné le fait que prendre le gilet pare-balles, c'est pas intéressant pour nous. On est tellement bien équipé que gilet pare-balles, ça sert à rien. 2-1. De 2. Bon, on a un peu à découvert, un petit bout de la map. On a vu qu'il y avait des endroits pour grimper, donc il nous faut les crampons. On a récupéré un fétou, ça c'est bien, ça c'est très très bien. C'est le plus intéressant, on a récupéré un fétou. On a ruiné mon expérience hein, en me proposant de récupérer un kit de couture, hein, mais j'ai pas pu. Hein. Merci les développeurs, encore une fois. Donc voilà, ça c'est un peu moins bien. Il faut que je fasse gaffe aux câbles, moi. On est en pleine nuit. Donc ça c'est un peu moins fun. Euh...
Ouais, c'est à peu près tout. Bon, bah notre plus grande trouvaille, c'est le fait-tout. Pour le moment. Mais c'est pas mal. C'est pas rien. C'est pas rien. Je me demande si on retourne à l'extérieur pour dormir ou pas. C'est vrai que c'est pas pratique. Mais bon, c'est un peu l'endroit bien pour ici en fait, pour aller explorer. Donc je sais pas trop en fait. Allez, vite avant que je vois plus rien. Ah, attendez. Ok, on est bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait du jet par balle? On va le mettre où? Il faut le placer... Alors, faut que je réfléchisse 5 minutes. On va, je pense, peut-être arrêter l'épisode. On va peut-être le faire un peu plus court. Il faut qu'on cuise plus de loup, de la viande de loup. Ouais, dans tous les cas, on ressort, en fait. Dans tous les cas, on ressort. Dans tous les cas, on va à notre endroit, en fait. On va à notre endroit, parce qu'il faut faire du feu. On va pas mettre fin à l'épisode maintenant. Parce qu'on va, d'abord cuire les choses. Bon, vu que le... On va le mettre là. Vu que le gilet pare-balles peut être humide, on va le mettre ici. Voilà, très bien. Cet endroit est pas trop bien. J'ai remarqué que sur la vidéo YouTube, cet endroit, je crois que c'est parce qu'il a différentes... comment dire... dégradés d'ombre, dégradés de sombre en fait. Et du coup, ça rend extrêmement mal sur la vidéo YouTube. Même si vous le mettez en 2K et tout, il faudrait mettre du 4K en fait. Ah, ou alors il faudrait que je remette un des mods qu'on avait trouvé, qui permet de d'avoir une meilleure luminosité. J'ai pas trop envie de changer en fait, parce que c'est une nouvelle zone, la luminosité. Mais c'est vrai qu'en vidéo, ça donne pas très bien, j'ai remarqué. Donc ça, c'est un problème. 95%. Faut ça. Très bien. C'est un petit détail, hein, mais c'est pour vous, hein, pour que ça soit joli, quoi, à regarder. Parce que si c'est moche, ça sert à rien. Enfin, si on voit rien, ça sert à rien. Mais c'est juste cet endroit, j'ai remarqué, sur les vidéos. Mais même si c'est éclairé, ça éclaire pas trop, en fait. C'est assez pixelisé du coup. Alors, on n'a pas beaucoup de bois. Ça, on peut le faire à la main. 1h30. Attends que je réfléchisse. Ouais, il faut remettre du feu. On va poser de l'eau. Moi aussi, honnêtement, je vais être honnête, je vois rien. Je vois pas grand chose. Un peu chiant cet endroit. C'est pas le... C'est vraiment parce qu'il est bien positionné, hein. C'est seulement parce qu'il est bien positionné. Oh la vache, j'arrive plus à parler. C'est vraiment le seul truc. Hein. C'était limite. C'était limite, mais ça nous permet de pas utiliser
de... Pourquoi je rajoute du carburant, moi, du combustible? Ça nous permet de ne pas utiliser les outils. Ah oui, il y a le bout de bois qu'il faut... laisser là. Oui, le bout de bois, on va pouvoir en faire... Voilà. Boulot vert, c'est bien des flèches, hein, le boulot vert. Ouais, jeune boulot séché. Chaque fois, je les inverse. Et pour faire l'arc, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Érable. Voilà. Donc déjà, ça nous fait 3 flèches. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est sympathique. Après, on a encore des fûts qu'on avait laissés dans notre premier camp. Minutes. Ça. Eh, c'est pas une aurore boréale, ça? Il commence à faire super lumineux. Là, c'est pas mal. C'est pas mal, en plus, on a de la poudre à canon, parce que dans le bâtiment, là, on va peut-être pouvoir... Quand on pourra rentrer, évidemment. Si jamais on a une chance d'avoir une aurore boréale, on devrait peut-être dormir une heure à chaque fois. Là c'est bon. Là c'est bon. Est-ce qu'on a ça? Une heure, on va faire deux. On avait assez de champignons. Je sais plus où on les a trouvés les champignons. Ah, c'est pas quand on est arrivé sur la zone au tout début. Je crois que c'est quand on était arrivé sur la zone au tout début. Peut-être que... Ouais, ça peut être pas mal pour aller chercher les champignons. Non, il fait pas... Il n'y a pas d'aurore boréale, mais c'est que la lune, elle est... Il n'y a aucun nuage, quoi. Il n'y a aucun nuage. Bien. 42 minutes. Ah, très bien. Après, dans 10 minutes. Brûler, ok, c'est bon. D'accord. Pas mettre du feu. Pas mettre du bois dessus, ce serait con. 40 minutes, 4 heures encore de feu. On va pouvoir faire de l'eau. On va pouvoir faire de l'eau. Le faitot, on va le laisser ici. On va pas l'amener avec nous. C'est 2 kilos, c'est trop long. C'est trop gros, pardon, trop lourd. Est-ce qu'on a... On peut casser des choses ici. Ouh, que dalle. Ah oui, les fusées nautiques, si on en a trop. Prendre la place. C'est lourd. C'est combien? C'est 0,5 0,25, je crois. 0,25. Ok, très bien. Très bien. Les torches, on en a que 2. C'est bien, c'est bien. Ça, on va le laisser là. La hache, le couteau, tout ça, on quand même, on le garde. La lampe, elle fait un 80. On va enlever la fusée normale. Parce que la fusée normale, en fait, elle va nous servir que pour faire de la lumière. Mais si on se trimballe avec la lampe, du coup, on s'en servira jamais. Et pour faire du feu, on a des allumettes et tout. Donc, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de la fusée normale. Par contre, si jamais on a des problèmes contre les loups, là, on aura la fusée nautique, si on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'autre sert vraiment à rien.
Là, on a des tiges de massettes. J'ai envie de les laisser. Même on a déjà plus de place, en fait. Et après, je commence à disperser les choses. Là. On garde 30. Non, on va en garder 20 sur nous. 20, c'est bien. Et encore, on va faire ça à 5, c'est bien comme ça. Très très bien. Ouais, je crois qu'on va mettre fin à l'épisode dans pas longtemps. Et juste, on se prépare en fait, on se prépare. Parce que je voudrais quand même... après dans 19 minutes, très bien. Je voudrais quand même bouger en fait, je voudrais faire quelque chose. Parce que là, en fait, on n'a pas vraiment... Oh là là, ça va, on va boire. Parce qu'on n'a pas fait grand-chose. Alors, maintenant, on a le choix, j'ai envie de dire. Ou on explore... Map. Ou on explore la nouvelle partie qui est ici. Ou on repart. Tout simplement. Ou on repart ici. Et on monte ou on descend et on fait le reste quoi. Ou on va là ou j'en sais rien. Parce que j'ai l'impression que la zone en fait elle est plus ou moins coupée en deux. La prison étant la frontière en fait. J'ai l'impression pour le moment. J'ai l'impression que là il y a une zone, après il y a la prison et après là il y a une zone aussi. J'ai l'impression que c'est comme ça. Donc, ouais. Donc, on va devoir faire un choix. Je sais pas trop. On a encore du bois à poser. Non. Donc, je sais pas trop, moi, en fait. Quoi faire. Je dirais bien de repartir d'où on vient. Parce qu'on a déjà un peu défoncé une vague de loups gris. Même si je pense qu'honnêtement maintenant ils vont pouvoir revenir et tout ça. On pourrait dormir juste là en fait à l'intérieur. Je pense qu'ils vont pouvoir revenir et tout, mais c'est pas grave. C'est 35 minutes pour dormir, on va dormir une heure. Vous voyez, donc je pense qu'on va repartir, puis en plus on va pouvoir grimper et tout ça, ça nous fera une petite aventure. Ouais, on fera ça. Le prochain épisode, là c'était un peu le l'avant-goût en fait. Oh non, potable, 15 minutes. C'était un peu le l'avant-goût de... C'était la découverte en fait de la zone. Maintenant on sait où aller et on sait quoi faire. Donc on va pouvoir aller se balader. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va y aller avec notre équipement, comme d'habitude. On va pas prendre le gilet, ça sert à rien. Voilà, très bien. Faut que je dorme d'un coup, en fait, parce que là, on va pas être en forme, en fait. On prendra le sac de couchage et on dormira là-bas au pire. Au pire, ouais, on fera ça. 23 minutes, ouais, là il commence à faire jour. Bon, on va dormir. Potable. 1h50. Allez, on va dormir et ça sera notre fin d'épisode. Peut-être que l'eau va s'évaporer à l'intérieur, bon c'est pas grave. Enfin, pour éviter qu'elle s'évapore, on peut faire ça. Je crois que c'est 2 fois 40 minutes.
Je crois. Ouais, ça devrait être bon. Ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé. On va dormir le plus longtemps possible. Et on ira donc à la zone où on était. Grimper tout ça, on prendra de la nourriture, on prendra tout ce qu'il nous faut. Et on va rester là-bas, je pense. Comme ça, on pourra bien tout faire. Parce que là, on s'est un peu vidé. Là, on est bon. En tant que poids, on est bon. On a l'arc de près. On a les flèches. On a notre équipement. On a de l'eau. On prendra de l'eau. De toute façon, on en fera là-bas si besoin. Faut juste prendre un peu de nourriture en plus. Le sac de couchage. Et on est bon. On sera dans les 41 kilos. Nickel. Ok, on fera ça. Voilà, voilà, on fera ça la prochaine fois. Allez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, on va dormir 10 heures. Ouais.